Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 48e épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Switch. Donc, dans cet épisode, on va essayer de faire un épisode qui sera pas trop long à tourner pour le coup. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je suis retourné. On va retourner un petit peu dans Akala, une fois de plus, parce qu'on avait. L'épisode précédent, on avait terminé l'épisode à la vallée Belée. Il me semble que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, comme j'ai dit, retourner à Akala, et plus précisément, en profondeur d'Akala. On va chercher deux Korugus. Alors, merci déjà à Zafer, qui m'a précisé comment il fallait faire pour récupérer ce Korugu, et franchement, je dois vraiment être bigleux, parce que finalement, le truc, quand j'ai regardé tout à l'heure, parce que je me suis dit, on va un petit peu regarder comment il faut faire avant de faire l'épisode, c'est là que je galère un petit peu à trouver. Malgré que Zafer m'a expliqué un petit peu comment ça marche. Mais le truc, il est tellement visible en plein milieu que je sais même pas comment j'ai fait pour pas le voir, en fait. Et on va voir ça. Mais là, on va voir qu'il pleut. Donc finalement, on verra pas très bien. Et on va aussi chercher un autre Korugu. Que là, une fois de plus, Zafer m'a dit qu'il y avait un Korugu à ce niveau-là. Il m'avait pas précisé où exactement. Il m'avait dit qu'à la page d'Akala, il m'avait précisé effectivement au niveau des arbres alignés. Mais ouais, bon, j'ai quand même trouvé. Pas trop de mal. Alors du coup, voilà, on va se mettre dans le jeu. Alors du coup, oui, on se retrouve directement au niveau des trois rochers. Et le truc, il est pas trop visible du coup parce qu'il pleut. Mais je vous assure qu'en fait, quand il fait beau, il est super visible le machin. Il y a un trou là-bas. Il y a un trou carrément visible au loin. Mais là, on voit rien. On voit rien. Vraiment, on va juste attendre qu'il pleuve plus. Alors voilà, je viens déjà perdre 10 minutes de mon temps là, à attendre qu'il pleuve plus. Donc c'est vraiment pas cool. Mais du coup voilà, donc en plus j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'après il va pleuvoir à nouveau. Mais là du coup voilà, c'est le truc, il est tellement visible là-bas au fond. C'est énorme. Alors, on m'avait dit qu'il fallait suivre le chemin, mais franchement le truc, on va même zoomer au cas où. Mais franchement, il est tellement visible machin, le trou. J'ai même pas pensé au trou et il y a effectivement un trou. Attends, hop. Mais en zoomant, on le voit moins bien parce qu'il y a l'ombre. Et comme ça, en fait, il y a pas l'ombre et on le voit super bien le truc. Avant, il est juste là. Il y a un gros trou. Pour l'emmener là-bas et moi j'étais omnibilé par cette histoire de Gaul en fait. Moi je cherchais en fait un truc, un trip, un peu comme on avait eu, j'avais déjà expliqué ça, comme on avait eu au Mont Géminé, il fallait viser les deux arbres là ici hein, avec le rocher. Alors je me suis dit à tous les coups c'est un truc pareil, à chaque fois je pense de travers, c'est énorme, c'est jamais comme je pense en fait, c'est incroyable, le jeu il me donne toujours tort, et c'est ça qui est dingue. Et je me suis dit, ouais, ben faut viser l'arbre qui est là, à tous les coups. Ouais, parce que l'arbre paraissait déjà, je me suis dit, ouais, il y a un gros arbre là, ici, allez, faut viser l'arbre. Mais non. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est une sauvegarde avant, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il repleuve, hein. Ça va, merci. On va sauvegarder. Et on a 3 essais, mais pour le coup, il y aura qu'un seul essai. Et ce qui m'ennuie, c'est le Linel qui est là-bas, parce que vous connaissez la mécanique du Linel, en fait, c'est que dès qu'on est proche de lui, il va rien faire. Il va rien faire parce que il doit se dire qu'on n'est pas dangereux. En même temps, Linel c'est tellement costaud qu'il doit se dire que notre petite carrure, il va pas faire grand chose, hein, Link, contre un Linel. Donc le Linel il se sent pas en danger, donc il se dit on va pas l'attaquer, tranquille. Par contre, si on sort une arme, là il se dit ah ouais ok, tu veux jouer à ça? Ok, tu veux jouer à ça? Hein, tu veux jouer à ça? Très bien. On va se battre. Hein, on va se battre. C'est ça qu'il se dit le Linel quoi. On va se battre, bordel. Et là, du coup, il est pas content. Mais là, du coup, ouais, ça m'ennuie un peu parce que... On va essayer de bien calculer le plus près possible du trou. De façon à ce qu'on soit le plus loin possible du Linel lorsqu'on va réutiliser l'arme. Alors, j'ai fait une petite sauvegarde, donc c'est cool.
On va tout de suite commencer par sortir une grosse arme. Franchement, je pense qu'on va sortir vraiment l'espadon royal. On va. Quoi que. Ouais, allez, l'espadon royal. Ça aurait vraiment été bien d'avoir genre. Le marteau, ou alors. Franchement, le marteau, c'est idéal. Ou alors d'avoir. Je sais plus comment il s'appelle l'item, enfin l'arme préférée de Daruk. Je sais plus, mais pour le coup, on va prendre une grosse arme. Je pense qu'on va prendre, comme j'avais dit, l'espadon royal. Et on va bien viser du premier coup. On va vraiment tâcher de compter le nombre de coups. Déjà, je vais bien me mettre comme ça. On va refaire une sauvegarde. Comme ça, direct, clac! Je suis positionné comme il faut. Et c'est parti. Si j'en fais 4, ça donne quoi? Ça donne que j'aurais pu donner plus. Donc on va recommencer. Ah ouais, ça va être de la technique, hein, je pense que ça va être de la technique. On fait comme ça. On calcule le nombre de coups qu'il faut donner. Je pense que ça va le faire. Ça va carrément le faire en fait. On peut vraiment rendre le jeu simple, hein, il n'y a pas de problème. On peut même rendre les énigmes simples. Grâce aux sauvegardes. Ah du coup je suis bien positionné. Non. Hop. Alors j'ai l'espadon royal, c'est cool. Deux, trois, quatre. On va donner 6 coups. Pense que c'est vraiment pas trop mal. Ouais, c'est carrément bien. On l'a carrément mis comme il faut. C'est comme du golf, hein. Et c'est le même principe. Alors le Linel qui est là, du coup, il va plus nous déranger du tout parce qu'on est tellement loin, le rocher est tellement loin de lui que même si on sort une arme, il va rien nous faire. Parce que sur le coup, c'est vrai que je m'étais dit, à tous les coups, il va falloir que je me bute le Linel, ça va être chiant. Donc j'étais pas chaud de faire cette énigme tout de suite, mais finalement, je me suis dit, ah mais si le rocher est assez loin, ça devrait le faire. Bon là, du coup, c'est bon. Oh, en plus, il va bientôt pleuvoir à nouveau. Ça va être chiant. De toute façon, j'avais dit, hein. Alors, on va tout de suite se mettre là. On va refaire une nouvelle sauvegarde. On va pas se gêner. Le mec, vraiment, il... tranquille, hein. Tranquille, le gars. Hein. Il s'embête pas du tout. Même, on peut le pousser. Encore, quoique non, j'aurais peut-être pas dû. Arrête. Arrête, arrête. Arrête. Ah, bah, c'est mort. J'aurais pas dû en fait. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Donc du coup on recharge. Link n'arrive même pas à arrêter le rocher. Ah mais lol. Ah ouais, donc en fait il faut. Ah ouais, il faut forcément refaire en fait. Ah, il faut forcément refaire tout. Ok. Eh ben, ça n'a pas été facile, dis donc, hein. Mais là, pour cet essai-là, j'ai quand même réussi à mettre le rocher beaucoup plus près. Donc, pour le coup, c'était mieux, mais j'ai fait 4 tries en tout avant de réussir.
Et quand même, avec les sauvegardes, c'est quand même beaucoup mieux parce que sinon, ça aurait été limite infaisable. On se loupe, il aurait fallu quitter la zone, revenir dans la zone. Ça aurait été hyper relou. Donc voilà, un Kourougou de récupérer. Le suivant qui est juste à côté en fait. Il est juste là, on va enlever la première marque. Voilà pour ça, on va aller juste à côté. Parce qu'effectivement, juste à côté, il y a une histoire de fleurs. Ah, coucou toi! Bah alors? Je te fais rien! Et tu m'attaques! La déception! C'est la déception ce machin! Alors du coup, même énigme comme d'habitude. 1, 2, 3 fleurs ici. 4 là, 5 et... Ah, c'est tout. Ok, très bien. Parfait. Et voilà! Deux Kourougous pour le prix d'un, c'est magnifique. Alors du coup, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait ça, on va aller vite, hein. On va pas traîner. On va tout de suite se téléporter. Et maintenant qu'on a fait ça, on va rien faire de plus ici. Alors éventuellement, qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faudra que je pense dans une autre vidéo, parce que là, pour le coup, ça... Il y a un sanctuaire à faire apparaître ici. Souvenez-vous, on a une écaille de Rohrdrak à récup. Mais pour le coup, ça me forcerait à attendre une heure précise pour pouvoir la récupérer, cette écaille. Et du coup, ça va être long. Je préfère pas. Ça va être chiant. Il est 5h du matin dans le jeu. Il faudrait que j'attende beaucoup plus tard. Ça va être chiant. Donc du coup, on fera ça. Je regarde en mémoire qu'il faudra que je débloque un sanctuaire. Pas ici. Il faudra que je débloque un sanctuaire ici. Faudra le débloquer. Mais pour le coup, nous, ce qu'on va faire, c'est aller ici. On va se téléporter au sanctuaire du Chemolata. Et on va commencer à remonter la zone ici. Pour aller vers notre prochaine destination. Et oui, on va suivre un commentaire quand même qu'on m'avait donné assez tard. C'est que si on va... On a deux autres créatures divines à récup. Une qui se trouve là-haut et une qui se trouve en bas. On va commencer par celle qui se trouvera en bas. Mais avant toute chose, c'est vrai que j'ai envie d'aller là. Et on verra pourquoi. Alors du coup, je suis au sanctuaire. Il faut déjà que je reprenne la route. Donc oui, on va suivre la route. Hein. Franchement, on va pas s'embêter avec ça. On va pas se refaire les ennemis ici. On va pas rechecker la zone. Hein. Ça sert à rien. Ça a été fait. J'ai sûrement oublié plein de Kourougous dans la zone, mais on s'en fiche. Pour le coup, on s'en fiche. Je reviens dans la zone, c'est pas pour la refaire. C'est juste pour rejoindre la route et aller à la prochaine destination. Donc la route se trouve... Ah ouais, mais carrément, je vais pas du tout dans la bonne direction là. Elle est là-bas la route. Qu'est-ce que je fais? Bah oui! Attention! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bordel! Que fais-je? On va nager un peu plus vite pour le coup. Ah, les poissons, on pourrait les récupérer quand même si on en a. Allez, un effort, Link! Récupère les poissons! Il veut pas! Oh, c'est la tristesse! C'est la tristesse, il veut pas! C'est pas grave! C'est pas grave! Alors, du coup, on va nager jusque là-bas. On a un petit ennemi qui. Attends, on va attendre de récupérer max d'endurance. Alors, attention, on n'a plus que 4 cœurs, c'est dangereux. Ça commence à devenir dangereux. Il va falloir manger quelque chose pour récupérer nos cœurs. Sinon, ça va être fâcheux. Alors, du coup. Oh non, pas toi. Voyons. Je suis sur le chemin, c'est parfait. Alors, suivons le chemin. On aurait pu appeler le cheval, mais pour le coup, on ne pourra pas. Il faudrait aller à un relais. Mais c'est pas un problème. On va se faire le trajet à pied. C'est tout aussi bien. Alors, nous allons aller vers là-bas. Vers la zone qu'on n'a pas encore débloquée. Et je sais pas si on aura le temps quand même d'arriver jusqu'à là où je veux aller. Mais ce serait bien déjà de commencer par manger un petit quelque chose. Ça pourrait être cool déjà, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Ça, ouais, c'est bien. Et voilà, c'est cool. Attaque plus. Parfait.
On va y aller en courant, tranquillement. On observe un peu le paysage quand même. D'ici là qu'on trouve des trucs louches. Un petit corogou facile à prendre, peut-être. Allez savoir. Ou quelque chose, même si j'ai envie de tracer mon chemin. On va quand même regarder au-dessus de cet arbre. On sait jamais. Alors, rien du tout. Très bien. Ça me va. Hein. C'est parfait. Ah, ici, on a un petit feu de camp. Et on a personne. Enfin, a priori. On aurait pu y cuire quelque chose, mais pour le coup, il n'y a pas de récipient, il n'y a rien. On ne peut pas prendre ces rochers. On ne ferait qu'attendre, en fait. Ah, ici, on a deux panneaux. Alors, colline d'Hyrule, Domaine Zora, Akala. Bon, Domaine Zora, on a fait. Akala, on a fait. On y reviendra, Akala, pour la raison que j'ai dit. Hein. Et colline d'Hyrule, c'est ça qui nous intéresse, pour le coup. La petite colline d'Hyrule. Alors, ça me fait penser à un truc. Ça fait un petit moment que j'ai pas débloqué de souvenirs. Pour le coup, ouais, il faudra que je regarde de mon côté, un de ces quatre. En regardant les photos, s'il y a un truc qui me parle. Bon, on va peut-être faire ça maintenant. On va peut-être regarder s'il n'y a pas quelque chose qui me parle au niveau des photos. Non. Alors ça, j'ai une petite idée où ça pourrait être. Ça aussi, peut-être. Parce que on... ça ressemble à un environnement de désert, quand même, le truc. Hein. On n'a pas fait ça ? Ah bah si, on a fait, j'étais en train de me dire. Alors ça par contre, ça me dit rien du tout. C'est pas loin du château, quelque part. Ça serait peut-être au niveau du lac Kilia, quelque part au niveau du lac Kilia. Ça, c'est vraiment proche du château à mon avis là. Et ça, ça a été fait... ouais, après ça, ça a été fait aussi. Donc en fait, on avait débloqué 1, 2, 3, 4, 5 souvenirs. Nous en reste 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même, 7. Donc ouais. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui me parle trop actuellement. On va pas s'en occuper du coup. Ah bah oui, c'est vrai, on pouvait lui parler à lui. Il a bien fait de m'interpeller. Et toi? Qui moi? Bah oui, toi. Je suis pas un type louche, t'inquiète. Ouais, bah vu ta tête, je sais pas. On peut juste discuter une minute, toi et moi? Ouais, bon, d'accord. Génial, t'es super. Alors pourquoi il fait toujours grenigne machin chouette là, hein? Alors dis-moi, ce truc là, ta ceinture, ça serait pas la tablette Sheikah? Tout à fait. Oh, c'est bon, j'ai compris. J'en étais sûr. Alors dans ce cas... prépare-toi à mourir. Ah bah ok, très bien, pas de problème. C'est plutôt toi qui vas mourir. Meurs. Voilà, dégage. Ah ça par contre, pour le coup, là... j'ai un peu de chance parce qu'il s'apprêtait à me charger. Mais bon... il est mort rapidement, hein. En même temps, j'avais une grosse arme. Donc c'est sûr qu'il allait pas faire long feu le gars. Hein. D'ailleurs on sait pas qui c'est ce genre de personne. Hein. Bon on devine peut-être un petit peu mais je crois qu'on les a jamais rencontrés. Enfin si, on les a déjà rencontrés. Mais pour le coup... on nous a pas dit encore quel genre d'ennemi c'est. Hein. Bah, après je peux le dire, hein, c'est la... ce sont les Yiga de base hein, en fait. Les Yiga. Ce sont les Yiga, voilà. Alors du coup rien à faire ici. On va tracer notre chemin, tout simplement. Hein. Franchement, on trace. Ici rien du tout, très bien. Ah, on a un gros arbre ici. On n'est pas en train de revenir. Non, non, c'est bon. Rien du tout. Alors le chemin se trouve
là ici. Suivons-le. Alors, sauf qu'il peut... Sauf qu'il peut quoi? Ah ok, d'accord, il y en a un. Ah non, je croyais qu'il y avait un rocher. Bah on va se faire ce monstre. Allez, meurs. Et comme ça l'autre, il est rassuré, tout va bien. Alors, vous êtes vraiment très fort. Je vous remercie de m'avoir sorti de cette situation périlleuse. Acceptez ceci. Omelette au champi tempo. Oh, merci. Merci beaucoup. Alors du coup, ouais, pareil, c'est un feu de camp. Poursuivons notre chemin. Alors on a un petit radeau ici, mais on va pas... Ah, truffe max à proximité. Mais si c'est vraiment dans ma direction, je veux bien. Alors on va prendre un petit truc, hein. Vraiment une petite arme pour le coup. Ça suffira. Alors, j'avais même pas fait gaffe à lui. J'ai failli littéralement le snober. C'est un honneur pour moi de vous retrouver, monsieur le client. Cherchez-vous un article en particulier, monsieur le client? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Voyons un peu. Les Armax, allez, on prend. On prend ça. Et après le reste, ouais, flèche en bois, on va prendre. Est-ce que je peux tout prendre? Ouais. Mais du coup, il y en a... Ah bah oui, je pouvais carrément en prendre plus. 84, j'ai assez. Et du coup... ça, je vais pouvoir, hein, y a pas de problème, hein, j'achète. Et du coup, c'est parfait, je pense que... Bon, Luciole de Sérénité, on va prendre aussi. Pendant qu'on y est. Si on peut, hein. On peut, on va essayer de se mettre à sec le plus possible. Eh ben parfait. On s'est quasiment mis à sec. Alors, on prend rien de plus, l'ami. C'est suffisant. Alors, les truffes max à proximité. C'est plus vers là-bas. Et nous avons... Ah, ben c'est parfait. Attendez. Alors, gland. Gland. Et ouais, bah la truffe max. Alors, relais de la forêt. Ok. Et la truffe max se trouve encore un peu plus loin. Ce serait bien qu'elle soit pas trop loin quand même, la truffe. Hein. Oh, bordel, il faut grimper et tout. Et... C'est chiant. Alors, la truffe max... Vers là-bas. Il ne devait pas y en avoir des tonnes. Hop. Ah, deux secondes, attention. Où elle est, cette truffe max? Elle doit pas être loin en plus, là. Bon, l'ennemi me troll. Meurs, s'il te plaît. Tu meurs. Et ma truffe max est tout. Et où? Elle est là, quelque part, là. Ah bah oui, elle est là. Grosse truffe max. Et voilà. C'est parfait. Alors du coup, retour au relais. Si on peut récupérer une arme éventuellement, parce que je crois que je vais pouvoir en récupérer une. On va rien faire de particulier au relais, si ce n'est juste chercher peut-être une arme, parler à quelques personnes, peut-être éventuellement, d'ici là qu'ils aient des trucs à nous donner. Alors, ah, bonjour. Et si tu prends la peine de parler à un vieillard tel que moi, c'est que tu dois avoir des problèmes, non? Non, pas spécialement. À ce que je vois, tu n'es pas très familier avec la région, jeune voyageur. Je me trompe? Ouais, c'est vrai. Oh oh oh, à mon grand âge, je peux le voir rien qu'à ton visage. Ouais, j'en doute pas une seconde. Nous sommes ici au relais de la forêt, point de passage à la frontière entre Ordine et la plaine d'Hyrule. Et la grande forêt d'Hyrule, c'est là que je veux aller d'ailleurs, la grande forêt d'Hyrule. D'où ce relais tire son nom, se trouve tout près. Ouais. Si tu veux, je peux te parler un peu plus en détail des alentours. Oh, grande forêt éventuellement. Ah, bois perdu.
Ouais, ça fait froid dans le dos, je viens de croire. Ah bah oui, c'est sûr. Il a pris ses jambes à son cou, le bonhomme. Soudain, la brume s'est dissipée. Ouais, bah en fait, c'est les bois perdus. Hein. Donc, grand classique. Alors, on a encore Kanji. Parfait. Pour un nouveau souvenir. Alors, quelle élégance. La nature ne cessera jamais de m'impressionner. Comment fait-elle pour créer des formes pareilles? Oh, comment on se retrouve? Tu voyages encore? Ah bah oui. Je continue à arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations avec plaisir. Alors, ouvrir l'album. Alors, que va-t-il nous montrer? Enfin, que va-t-on lui montrer? Ah, ben tiens. On voit le château d'Hyrule au fond. Il paraît qu'autrefois, l'adoubement des chevaliers se faisait sur une place au sud du château. Elle est en ruine aujourd'hui, mais c'est elle qui est représentée sur cette image. Aucun doute. Toutefois, cet endroit est extrêmement dangereux. Ouais, ben, j'allais en parler justement. Fais bien attention à toi si tu comptes t'y rendre. Ben justement, je me suis dit, ouais, ben, ça va être facile, on sait que c'est au sud. D'Hyrule, c'est relativement repérable facilement. En fait, ça devrait être plus ou moins là, ici. Ben d'ailleurs, là. Éventuellement, mais sauf que la zone va être dangereuse. Et du coup, ça va pas être si simple et on va pas y aller. On va pas y aller et du coup, si on regarde bien, ouais, ben ce serait vraiment là. Hein. Ce serait vraiment ce passage-là, cet endroit-là. On voit des arbres. Est-ce qu'il y a des arbres dans la zone que j'ai montré? Ouais, il y en a. Il y en a, donc ce serait vraiment ici, éventuellement. Parce qu'on... Ah, à moins que ce soit ici. Ah, peut-être ici plutôt. Mais du coup, c'est une zone très dangereuse. Donc, clairement, on va pas y aller. Par contre, la musique, elle est vraiment géniale. Lorsqu'on ira là, bien plus tard dans le jeu. Je vous le dis tout de suite, bien plus tard dans le jeu. Lorsqu'on ira là... Ah, mais je vais me faire un plaisir de vous laisser écouter la musique. Hein. Je me ferai un plaisir. Clairement. Ah, du coup, quel autre PNJ on pourrait parler? Toi, peut-être? Ouais, j'en doute pas une seconde. Ouais, alors, y a-t-il pas une quête annexe vite fait à trigger? Ah, comment faire? Qu'est-ce qu'il y a? Pour profiter de la ville, il faut la fortune et la gloire, on est d'accord? Ouais, ça dépend. Ça dépend de nos besoins. Hein. Eh ben, pour avoir tout ça, je pense que le château d'Hyrule, c'est un endroit idéal. Ouais, pour trouver des rubis, c'est sûr. Mais néanmoins, en dénichant des minerais, on peut en trouver facilement. Il y a une rumeur qui dit qu'autrefois, le roi et les chevaliers y ont amassé des montagnes d'armes et de trésors. Mais bon, comme tu dois le savoir, ils grouillent aussi de monstres. Vas-y, fonce, mec. Ouais, t'as raison. Je peux pas laisser passer un tuyau pareil. Il faut que je fonce. Il paraît qu'au nord du château d'Hyrule, il y a un embarcadère à partir duquel on peut rentrer à l'intérieur. Et en plus, il y aurait aussi un vieux sanctuaire pas loin. Si tu veux mon avis, ça pue le trésor. Le problème, c'est qu'on dit aussi que personne n'est jamais revenu vivant du château d'Hyrule. Ouais, ben ça je veux bien te croire aussi. Ben, fais comme tu veux, mec. Fais comme tu veux. Et toi? Mouais. Ah, pas de quête annexe, rien du tout. Ah, une petite arme. Enfin, une petite, pas si petite que ça. D'ailleurs, j'aurais dû la prendre en photo. Ça tombe bien. Et paf! Petite photo. Et voilà. Perfect, amigo. Ah, est-ce qu'on avait pris ce genre d'animal en photo? Même pas. Même pas. C'est énorme. Et ben voilà.
Et on peut pas prendre ce genre de PNJ en photo. Ah ben, pourquoi je fais? Pourquoi je fais en plus? On efface. Ah, je t'écoute. As-tu quelque chose à me demander? Ah ben, c'est encore lui. Ah bah oui, on a fait le tour, tout simplement. On a gentiment fait le tour. Alors toi... Donc c'est la même personne. Bah il n'y a plus de PNJ, il n'y a rien. Ok, très bien. On va pas rester plus longtemps dans le coin. Je pense que ce qui serait bien aussi, c'est de débloquer une tour. Eh bah oui. Bah ça tombe bien, la tour est là-bas. Eh bien, on va y aller. La première chose qu'on va faire, c'est aller à la tour. Et on va... Je pense qu'on va se dépêcher. On va simplement se dépêcher, puis voilà. Hein. Sachant qu'une fois qu'on va activer la tour, ce qui devrait se faire assez rapidement. Encore grosse truffe max. Ben, c'est parfait tout ça. On va ramasser beaucoup de truffes max, j'ai l'impression. Hein. Et ça tombe bien. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux, justement. Alors, la truffe max. Pas trop loin, j'espère. Allez, petite truffe max. Champi-lame. Pas ce que je veux. Alors, je suis tout droit. Je peux pas être plus droit. La truffe max, où es-tu, petite truffe max? Pas loin quand même. Oh, les loups, stop! Meurs! Laisse-moi en paix! Et ben voilà! Grosse truffe max, récup. Ah, du coup, la tour. Eh ben voilà, on y est! Elle est juste à côté. Ah, il y a quelques petits ennemis qui vont peut-être me déranger, mais bon. Pour le coup, si on peut les prendre en photo, s'il y a de nouveaux ennemis à prendre en photo. Toi. Ça avait été fait. C'est le même. Toi, tu vas mourir gentiment. Alors ensuite. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, viens! Sois pas timide! Approche! T'as plus d'armes! Et moi, je te bute! Voilà, tout simplement. Alors, ici, attention, c'est les marées. Ouais. Ah, ouais, mais du coup, pour accéder à la tour, ouais, bah, forcément. Forcément. Petite énigme. Façon de parler. Ça devrait pas être trop compliqué. Quand même. Est-ce qu'on va pouvoir grimper? Alors attention, il y a pas mal d'ennemis quand même. On a quand même ces trucs là. Hein. Mais si on peut se la mettre à l'envers, c'est cool. On peut grimper ou on peut pas? Yes, on peut. Ben, c'est bon. C'est parfait, mais ça nous garantit pas qu'on peut accéder à la tour. Il faudrait arriver plus haut, en fait. Oh là! Oh là, c'est la mort. Là, par contre, c'est la mort. Donc, il y a moyen de se débrouiller comme ça, en fait. Ah, ben, un trésor, j'ai même pas vu. J'avais trop pas vu. Rubis argenté. C'est parfait. Alors, moi, ce que je veux, c'est juste... grimper là ici. On va bien se mettre. Et voilà. Et d'ici je pense que ouais ben on peut se mettre là. On peut se mettre là. Et du coup ben écoutez c'est même parfait. C'est même carrément parfait. On aurait même pu se mettre là-bas plutôt. Pour atterrir là. Et puis ouais, écoutez franchement. À quoi ça sert des énigmes? À quoi ça sert quand on peut se mettre là directement. À quoi ça sert, dites-moi. Ça sert à rien. Par contre là, ouais, ça va être un peu délicat.
peux pas manger quelque chose qui puisse me faire aller plus vite? Bah si, remets tempo, regarde. Regardez, boire. Je vais tellement plus vite. C'est quand même beaucoup mieux. Alors l'ennemi du bas, il peut plus m'atteindre, hein. Je suis beaucoup trop haut. Oh, vite, vite, vite. Voilà. Là, c'était limite, hein. Si j'avais pas fait un bond, c'était mort. J'ai beaucoup d'endurance, mais il faut quand même faire gaffe, hein. Alors, on va bientôt voir à quoi ressemble cette nouvelle région, justement. On y approche. On approche du haut de la tour. Et voilà, c'est parfait. Mystère, à quoi ressemble cette région? Ah du coup, oh bah voilà, alors la zone de la carte de la zone a été enregistrée. Alors du coup, on peut quand même beaucoup mieux voir où se diriger, comme d'hab. Hein. On va tout de suite regarder sur la carte d'ailleurs pour le coup. Petite sauvegarde automatique. Alors, du coup, voilà. Le chemin qu'on veut prendre, c'est celui-là. On prend ce chemin et on veut aller ici. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez toute la forêt. Et en fait, tout ça, c'est le bois perdu. Alors, vous avez une petite zone distincte. Ici, on voit qu'il y a une couleur un peu différente. Le cœur de la forêt. Et du coup, ben, franchement, ce serait cool si on pouvait arriver au cœur de la forêt tout de suite, mais à mon avis ça va être un peu tendu, d'autant plus que j'ai envie de faire un épisode pas trop long à tourner pour le coup. Nous avons le lac Saria, nous fait penser à Saria dans Ocarina of Time pour le coup. Le marais Mido, et oui, grosse référence à Ocarina of Time, et bien sûr île du Morien. Du Moria, quoi. Ben oui. C'est ça qui est bien. Alors du coup, ben on va redescendre tout de suite, sans mourir. Ça aurait été cool. Ouais, on va aller là-bas. Allez hop. On va reprendre le petit chemin, on va pas rester dans cette zone. Les ennemis qui sont là, Osef total. Ah, le petit rocher, attendez 2 secondes. Petit rocher, ça veut dire quoi? Kogu. Eh ben parfait. C'est nickel tout ça, franchement c'est nickel. Petit Kogu à l'improviste. C'est bien cool. On reprend le petit chemin. On va le suivre. Gentiment mais sûrement. Et on va bientôt pas tarder à arriver dans la grande forêt. Alors du coup, ouais, ben traçons notre chemin tout simplement. Ne perdons pas notre temps. Les gros arbres, quand même, tâchons de grimper. D'ici là qu'on ait des trucs. Alors c'est marrant que je puisse pas grimper là. Ah, j'allais dire. C'est les racines qui m'empêchaient pour le coup. Alors ouais, bah, je vais peut-être pas forcément m'amuser à faire tous les gros arbres, d'autant plus qu'ils sont pas non plus massifs, hein, franchement, entre nous. Bah vous avez deviné ce que je cherche, hein, sur les arbres. Des pierres avec des kogu, hein, éventuellement. Et éventuellement, hein. On se doute qu'il doit y en avoir pas mal ici, hein. Alors du coup, non, pas par ici. Continuons à suivre le chemin pour le coup. Ah,
Et ben voilà. On approche, on a trigger la zone. Et là, ça va devenir intéressant parce que là... Bon là, on quitte la zone forcément. Et du coup, le petit détail, c'est que dans cette zone, c'est les bois perdus. Et comme dans Kind of Time, comme dans tous les bois perdus, on perd facilement notre chemin. Et si on se perd, on va vite savoir ce qui se passe. On va aller tout droit. On va tout droit, on s'embête pas. Alors, bois perdu. Et voilà ce qui se passe. C'est qu'on se perd. Et où est-ce qu'on se retrouve? Et ben on se retrouve à l'entrée. Tout simplement. Alors du coup, ça va être une sorte d'énigme, le truc. On a quand même un moyen de savoir si on est à deux doigts de se faire avoir. Regardez. Hop, la brume. Elle était à deux doigts de nous choper. Donc, si vous voyez avancer vraiment doucement. Très doucement. Si vous voyez que la brume s'intensifie comme là. Hop, demi-tour tout de suite. Vous voyez, en fait, ça fait qu'une sorte de truc de brume qui veut vous choper. Ça part de tous les côtés. Donc, on va commencer par aller ici. Et regardons les torches. On va commencer par suivre les torches, tout simplement. On va pas s'embêter. Arrivez ici. Faut aller là-bas. Tout droit. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Ça va se gâter après. Ensuite, faudrait aller où? Vers là-bas. Faut pas hésiter à regarder la mini-carte au passage. On arrive ici. Et là, par contre, ça va se gâter. Parce qu'à partir de maintenant, on a intérêt à aller doucement. À moins que... Ah, ben non. Est-ce que je reviens au même endroit? C'est pour ça qu'il faut regarder la mini-carte aussi. Là, en fait, je suis en train de faire demi-tour. Je pense qu'en fait... On va là. On arrive là et après... C'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour trouver votre chemin. Et là du coup à partir de maintenant, franchement, il n'y a pas vraiment d'indice pour vous dire où est-ce qu'il faut aller. C'est juste faire attention. Marchez doucement. Allez tout droit tant que vous pouvez. Et si jamais vous voyez la brume qui s'intensifie, faites tout de suite demi-tour. Pour l'instant, ça va. Pas de problème. Je... Hop, 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 hop. Alors, faites demi-tour à 90 degrés. J'arrive ici. Regardez vraiment la mini-carte pour vous repérer à peu près. C'est vraiment assez spécial, hein, pour le coup. Ah, peut-être qu'il y a des indices pour nous dire où est-ce qu'il faut aller, mais pour le coup, j'y vais un peu à tâtons comme ça. Et ça marche. Ça fonctionne bien, pour le coup. Et au passage, on peut vraiment observer les alentours, c'est vraiment lugubre. Hein. Et par contre, j'aime toujours autant la musique. Alors, je vais quand même être assez silencieux, pour le coup. Et être assez concentré sur ma trajectoire. Pour pas me foirer. Bah pour l'instant, ça va en tout cas. Et si je regarde la grande carte. Ouais, bah le but en fait, c'est que je continue à aller tout droit comme ça. Tant que je peux aller tout droit.
Attention, hein, comme d'hab. Pour l'instant, franchement, ça va. Il n'y a pas de problème. Un petit renard. Qu'il est mignon. Alors, soyons prudents quand on change un peu sa trajectoire. Oh! Là, attention. Est-ce que c'est dangereux? Non, c'était rien, en fait. J'ai eu peur, mais c'est bon. Ça vous chope jamais brutalement, en fait. Vous voyez le truc venir. Alors, j'ai l'air de me diriger vers une zone un peu de clairière. Et du coup... Alors je vais aller vers là-bas. En faisant attention. Il faut vraiment trouver une entrée. Parce que là, regardez. On devine en fait qu'on approche d'une zone. Il y a des falaises. Si on veut. Mais du coup... L'entrée se trouverait où ? Hop là, oh oh. Alors plus vers là-bas peut-être. Si je vais là. Non. Wouhou, ne me chope pas. Ah du coup c'est forcément pas loin. Est-ce que je peux contourner? Ah, des fois je m'arrête hein. Quand je vois que j'ai vraiment une brume qui a l'air de s'épaissir. Et est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Alors attention hein. Attention, il peut y avoir danger. Bon, pas bon. Ça a l'air d'être bon pour l'instant. Alors ça sent bon, hein, pour le coup, je pense que on approche, en plus on est dans la clairière, on est là où il faut, on voit qu'une sorte de chemin, hein, ici comme ça, qui mène vers là, on va le suivre, et pour moi je pense que c'est bon. Hein. Et ben voilà, c'est parfait, c'était pas bien compliqué pour le coup. Et là, pour le coup, je vais vous laisser un peu écouter la belle petite musique. Écoutez-la bien, franchement, elle est très reposante. Oh, c'est hyper magnifique, ce rose... Enfin... Ce cerisier japonais... Enfin, on dirait un grand cerisier japonais, hein, c'est énorme. Hein. Mais on devine que c'est l'arbre Mojo, le truc. Hein. Et du coup, c'est parfait, on est arrivé exactement là où je voulais. Et on a vu un petit Korobu, et en plus ça tombe bien parce qu'on a le masque tribal. Et ça va bien à la zone, je trouve. Oh, ça lagouille un peu quand... Oh. Ça lagouille sévère quand même. Il y a beaucoup de choses affichées à l'écran aussi. Mais là c'est un peu moche quand même. Je pensais que ça aurait été corrigé depuis. Ah ouais quand même hein, ça... ça lague un peu hein. Mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce que nous avons là? Oh. Eh ben oui. La Master Sword. Et du coup, oh bah tiens, on va peut-être faire une petite sauvegarde avant quand même. Sauvegarder. Parce que là du coup, le problème c'est que... à mon avis ça va pas le faire. On s'est tenté d'essayer. Link, le reste dépend de toi.
Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Ah, franchement, j'avais oublié le petit détail. J'aime beaucoup ce côté humoristique. Là, on voyait les petits Korogu là qui mimaient un petit peu le scénario de Link qui essaie de retirer un Master Sword, mais n'a pas assez de force, n'a pas assez d'énergie, et du coup, ben, il décède parce que c'est assez spécial d'ailleurs. On dirait en fait que il veut retirer l'épée de son socle, il retire jusqu'à épuisement et il décède. C'est un peu spécial, mais bon, à savoir. Alors, si tu veux arracher cette épée de la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros. Nouvel objectif. Mais là, pour le coup, eh ben, ce sera réservé au prochain épisode. Ah, je suis salaud, hein. Franchement, je suis salaud de ce côté-là. Vous attendiez à ce que j'essaye maintenant? Eh ben ouais, on va essayer quand même, mais pour le coup, ça va être un échec, hein. Je vous dis clairement, ça va être un échec. On va faire une sauvegarde, d'abord. Ça va être un échec. Je vais montrer l'échec, et après, dans le prochain épisode, on fera tout ce qu'il faut pour pouvoir la retirer. Alors, essayons. Ah, j'aurais peut-être dû avoir plus de cœur quand même. Ah, j'aurais dû me mettre full niveau cœur quand même. Hein. On va se mettre full pendant qu'on y est. Hein. On va pas s'handicaper davantage. On va manger. De toute façon, on aura le temps de faire des plats supplémentaires. On va manger ça. Et on va essayer. Alors, j'ai pas encore full cœur. On sait jamais, ça pourrait marcher. Hein. On ne sait jamais. Alors, essayons. On va manger quelques pommes. Voilà, là, on est full. Donc, maintenant, c'est parti. On est chaud. Link est chaud. Là, il a la patate. Il veut donner toute sa force. Eh bien, très bien. Très bien, on s'y met.
Ah, si tu n'avais pas lâché prise, tu aurais péri, mon garçon. Je n'interviendrai plus à l'avenir. Prends soin de bien te préparer avant ta prochaine tentative. Alors, pas de problème. J'ai quand même envie de tenter un truc. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Moi, je suppose que ça va être une mort classique, hein, franchement, entre nous. Ça va être une mort classique, mais j'ai jamais tenté le truc. On va quand même voir ce que ça donne comme mort. Pour le coup. Ouais, c'est spécial quand même, hein. Bon, c'est une mort classique en fait, hein. C'est comme si tu mourais devant un ennemi, c'est pareil en fait, hein. Y a pas genre une animation spéciale ou même un game over d'une couleur différente, non. C'est... Parce que vous avez remarqué en fait que selon les circonstances, le game over a une couleur différente. Si vous mourrez suite à une attaque électrique, le game over est jaune. Si vous mourrez de noyade, le game over est bleu, il me semble. Bon, on recommence, hein. Que voulez-vous, on recommence. Et du coup, vous allez me dire, ah ouais, mais si on mange des truffes max, si on cuit des truffes max et qu'on se donne plus de cœur, bah on aura plus de cœur. Mais en fait, les cœurs jaunes ne comptent pas. Il me semble que ça ne compte pas. Donc du coup, on a vu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cœurs, ça ne suffit pas. Il en faut plus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà chercher un sanctuaire dans la zone pour pouvoir se téléporter plus facilement. Ah, par contre, c'est quand même dommage que ça lagouille un peu comme ça, hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Ah bah tiens, qui voilà? Notre ami Noya. Bah c'est parfait, bah au prochain épisode, on fera ça aussi. On ira vraiment lui donner max de courbou. Et ben voilà, un petit sanctuaire. On va le débloquer. Et parfait, donc comme ça, on a au moins... Nous avons au moins un téléporte. Et du coup, au prochain épisode, vous savez ce qu'on fera. Hein. On fera tout ce qu'il faut faire pour pouvoir retirer l'épée. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Et donc, on verra ce qu'on pourra y faire. Dans cette forêt, on aura des épreuves. On aura des épreuves à faire. Donc, on les fera. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand vous regardez cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien.